Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a vraiment certaines choses dont il faut que je vous parle, que je regrette par rapport à ma dernière vidéo sur le lame m'a fâché. Je me suis retrouvée ces dernières semaines en fait un peu noyée dans un flot de messages haineux. Extrêmement dur, parfois très sale, enfin voilà. Et à un moment donné, j'ai dû me couper des réseaux sociaux. On n'a vraiment sincèrement pas vu le problème. Ça nous paraissait carré et en fait ça l'était pas. Et je suis désolée ça a finalement donné lieu à cette espèce d'effet de meute pas croyable, notamment sur Antoine Blanche-Maison derrière, etc. etc. Le 5 mai, Aude a donc publié une enquête dans laquelle elle se penche sur cette chaîne YouTube avec notamment un objectif, savoir qui se cache derrière. Et puis je te cacherai pas que j'en ai marre de la main fâchée. Vous connaissez pas la main fâchée? Une des chaînes YouTube les plus regardées en France, l'idole des adolescents. 5 millions d'abonnés et 5000 fans de plus chaque jour, plus que Cyril Hanouna. Un succès qui repose sur un énorme travail d'enquête. 10 secrets horribles que le Vatican ne veut pas que vous sachiez. 10 preuves que les géants ont vraiment existé. 15 habitudes qui peuvent vous tuer. Se gratter les dents, oui. 10 endroits scientifiquement impossibles qui existent vraiment. Et ça, c'est la reine du monde. La main fâchée, comment dire, c'est un mélange de putaclic, de fake news, de bullshit et de complotisme qui est injecté directement dans le cerveau de 5 millions d'adolescents chaque semaine. Mais ne cherchez pas à savoir qui c'est. La main fâchée, c'est surtout la main cachée. Je me refuse à donner des conseils et dans une discussion, je bats en retraite aussitôt. Mais je sais qu'aujourd'hui, certains cherchent en tâtonnant et ne savent plus à qui se fier. À cela, je viens dire, croyez ceux qui cherchent la vérité. Doutez de ceux qui la trouvent. Doutez de tout, mais ne doutez pas de vous-même. Lama fâché, c'est surtout lama caché. Le lama fait l'objet d'une véritable traque sur le web. Régulièrement, dans toute la France, des battues sont organisées pour essayer de savoir qui se cache derrière le lama. C'est-à-dire qu'il y a un côté vraiment étrange, vraiment paradoxal dans cette affaire, qui est de pourquoi est-ce que Aude, qui a tout intérêt à maintenir ce côté un peu journalistique, je suis meilleur que vous, j'ai ma carte de journaliste et moi j'ai des vraies sources et je suis soutenu par France Télé, pourquoi est-ce qu'elle aurait prendre le risque d'attaquer un random YouTuber en disant que c'est lui la main fâchée si elle n'était pas sûre? Présentation des protagonistes. Qui suis-je? Je suis ce qu'on appelle une journaliste pigiste. C'est-à-dire que je suis freelance, je travaille à mon compte et de temps en temps, je travaille en fait pour telle ou telle chaîne, pour telle ou telle émission de télévision. Et je fais surtout du magazine ou du documentaire, c'est-à-dire des reportages un petit peu longs, qui sont pas à format JT, qui sont donc plus longs, pour des chaînes diverses et variées, donc comme M6, France 5, Arte, France 2, enfin voilà. Je savais pas quoi faire, mais je savais qu'il fallait faire quelque chose, en fait, pour aider les gens à pas se faire manipuler. Et en fait, j'ai lu à ce moment-là un livre super qui s'appelle « La démocratie des crédules » de Gérald Bronner, qui est un sociologue, en fait, qui étudie les croyances, et notamment comment Internet amplifie nos croyances, finalement, plus que nous fait réfléchir sereinement. Et surtout, ce qui était réservé à des princes, des seigneurs ou des membres des ordres religieux est maintenant accessible à toute personne. Moi, je ne me sens pas le droit, de dire aux gens ce qu'ils doivent croire ou pas croire. Je
pense à notamment à Van Pruggen qui a montré avec son équipe qu'il y a une corrélation forte entre la radicalité politique et la disposition à endosser des théories du complot. Ça va dans un sens ou ça va dans l'autre. Mais en même temps, comme dirait notre président... Comment les gens peuvent-ils être indifférents finalement à ce qui est vrai? Enfin, moi, ça me dépasse, parce que dans ta vie quotidienne, je sais pas moi, si ton mec te dit qu'il va au cinéma et qu'au final il est chez Natacha, bah tu t'en fous pas. On s'est enquêté, on sait a priori réfléchir, se poser, etc. Je pense que les gens, enfin c'est ce que je pense encore une fois, je pense que les gens nous attendent plus là et que c'est davantage ça notre rôle, et c'est d'ailleurs ça qui nous différencie de toute l'info comme ça, de tout ce déluge qu'on a en permanence sur Internet. Avec le donc l'association qui s'appelle Fake Off, dont j'ai l'honneur d'être présidente, et qui a été créée par beaucoup de journalistes dans un espèce de devoir civique, on va dire, simplement pas du tout d'aller évangéliser les gens ou de, enfin voilà, nous, d'ailleurs ils sont tous hyper critiques aussi sur leur métier par certains aspects, mais simplement, c'est vrai qu'en tant qu'enquêteur, on a quelque part d'instinct un peu les clés pour savoir ce que vaut une info, etc. Et donc on essaye simplement d'aider en fait tous les publics d'ailleurs, pas que les jeunes. Donc voilà, et ça fait mais genre 2 ans que moi j'écume les collèges, les lycées, tout ça, ce qu'on fait, c'est qu'est-ce que tu regardes ? Et c'est tout le temps Lama fâchée. Ouais, la dernière vidéo de Lama fâchée. Antoine Blanche-Maison a été évoqué plusieurs fois, et pas seulement par Aude What The Fake, comme étant le potentiel créateur de la chaîne YouTube Lama fâchée. Antoine BM, qui a disparu des réseaux sociaux récemment, mais qui a une chaîne YouTube qui a déjà passé les 100 000 abonnés. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Mais d'abord, j'étais étudiant en école de commerce, j'ai lancé mon truc, j'ai mis 3 ans avant vraiment que ça marche. Après, j'ai arrêté mes études, je me suis lancé à plein temps, j'ai voyagé en Asie du Sud pendant un bout de temps. J'ai lancé mon activité pendant ce temps, ça a commencé à marcher, j'ai commencé à gagner mes vies avec. Et ensuite, depuis, ça fait 3 ans maintenant, je gagne ma vie avec ça. D'accord. Pour ce qui est d'Antoine Blanche-Maison, qui je pense regrette un petit peu de ne pas m'avoir répondu dans mon enquête puisqu'il a fait 2 réponses vidéo, j'ai pris contact avec lui, très sympa par ailleurs. Je vous en dirai plus vendredi, le vendredi 17 mai à 17h dans mon What's the Live sur ma chaîne. Salut! Hello. Ouais, désolé, petit retard, on a eu un bug. On a eu un bug, désolé. L'important, c'est qu'on soit là. L'important, c'est qu'on soit là avec vous pour cette émission spéciale. Moi, j'adore cet exercice-là parce qu'il y a des journalistes qui dialoguent en direct avec les gens et je trouve que c'est pas assez fait. Voilà. Je suis sous l'eau, oui. En fait, je suis en train d'essayer de préparer le prochain What the Fake. Ouais. Qui est de nouveau. Non, c'est tout secret et tout, mais qui est de nouveau pas une mince affaire, comme tous les What the Fake. Je sais pas pourquoi je me mets dans des galères pas possibles à chaque fois. Je dois aimer ça. Et puis non, surtout, j'ai lâché un peu les réseaux sociaux ces derniers jours, parce que quand j'ai vu que ça faisait un peu. J'aime pas trop les effets. Quand il y a la foule et tout, quand, de manière générale, même, je suis. Comment t'appelles ça ? Agoraphobe. Agoraphobe sur les réseaux sociaux ? Ouais. Pareil, quand il y a trop de. Quand ça s'emballe trop et tout, je lâche. Donc j'ai lu 2 bouquins ces derniers jours. T'as lu quoi ? Le Lambeau. Comment il s'appelle ? Ah, ça, c'est pas moi qui vais te dire. C'est le même phénomène à chaque fin de campagne électorale. T'as un espèce de moment où, tu sais, c'est le festival des fous. Ouais. Ça dure 10 jours. Ouais. C'est même plus la peine, tout le monde est en roue libre, ça part dans tous les sens et tout, c'est l'horreur. Les journalistes n'en peuvent plus parce qu'ils sont obligés de faire du débunkage, j'ai l'impression que personne ne les lit et tout. Et donc, dernier truc en date, figure-toi que l'Union Européenne, c'est un projet nazi. C'est justement ce que j'ai essayé de démontrer dans une dernière vidéo, non ? Eh bien oui, et on avait même fait une émission entière là-dessus. c'était cool. Donc, en tout cas, ton travail a été cité à la télévision. Oh yeah. Donc c'est voilà. Encore un bon endroit où il faut être, ça. Exactement. Ah ben, il faut. Attends, c'est l'avenir de YouTube, la télé. et donc, du coup... On va parler du lama.
on va parler du lama. Le lama fâché. Qui m'a aussi fâché, qui m'a donné du fil à retordre, ouais. Mais c'était pas possible. C'était l'alu, en fait, cette enquête. J'avais l'impression d'être sur un truc de très très haute volée, en fait, en termes de taf, en fait, en termes d'enquête. Ouais. C'était chaud. Plus que les autres. Ah oui, c'était 2 mois tous les jours limite la nuit et 2 personnes. Tu révèles oui, c'est mon problème, c'est que j'ai toujours envie de faire une enquête la plus exhaustive possible, etc. Et etc. En même donc temps, effectivement, il y a un paquet de... Ouais. Et du coup, j'aurais adoré faire un espèce de vlog, de truc pour montrer, mais c'était une aventure en soi, ouais, quoi, cette carrément. Enquête, mais voilà, c'est compliqué. Carrément. Voilà. On se jetait des fleurs sur le travail d'enquête incroyable qui a pris plusieurs semaines. Voilà. Et en attendant, tout le chat spam Marketing Maya. Les gens dans le chat qui écrivent en majuscule pour hurler en croyant que ça va être plus lu ou je sais pas quoi. C'est toujours très drôle. Mais j'ai regardé le live entier en direct. J'étais là dans les commentaires et c'était bien le bordel d'ailleurs dans les commentaires. Et vous avez été très nombreux à poser ces questions. Et on n'a eu aucune réponse. Donc, dans le live qui était censé clarifier, on a eu beaucoup, à mon avis, d'enfumes. C'est-à-dire que parler pendant une heure, faire semblant de répondre aux commentaires et ne pas répondre absolument à, non seulement à la vidéo d'Antoine, à ma vidéo, à aucune des critiques qui sont faites dans les commentaires, et passer une heure à parler de l'importance du secret des choses, du fait que le lama fâché, bah, il est vraiment pas gentil. Sur le dernier 20 minutes, on meuble à fond. Pour éviter de parler des critiques qui ont été faites. La vidéo d'Aude What The Fake a été en partie bien reçue, en tout cas au début, mais elle a vite été un sujet de controverse après ça. D'abord suite à la réponse vidéo de 20 minutes d'Antoine Blanche-Maison qui explique que non, il n'est pas lama fâché, d'un ton calme et sérieux et en somme toute assez crédible, puis suite à la vidéo de Marketing Mania, un proche d'Antoine Blanche-Maison qui a l'habitude d'analyser les techniques de communication et qui remet notamment en cause l'argumentation d'Aude qui ne semble pas professionnelle à ses yeux, à mes yeux non plus. Aude en parlera dans une nouvelle vidéo où elle invitera directement le lama à faire une interview avec le hashtag Lama Challenge. Tu vois, lama, moi, mes enquêtes, je les signe. Je me montre. Les insultes, je les prends. Les critiques aussi. Si quelqu'un veut enquêter sur moi, il le fait. Si quelqu'un veut me traîner en justice, il le fait. Le lama lui répond sèchement, parce que bon, il commence à en avoir un peu marre d'avoir 35 vidéos sur sa tronche alors que les infos sont manifestement fausses selon le lama et selon Antoine Blanche-Maison. Elle rajoutera donc à ça un live de plus d'une heure où elle évitera les questions concernant Marketing Mania et ne répondra finalement pas à grand chose auprès des gens. Gros, lama fâché, si on doit synthétiser. Ouais, si on doit synthétiser. Mon petit problème avec cette chaîne. Oui, alors non, mais alors là, 2 minutes, vraiment, je pense qu'on peut. Alors, je regrette infiniment que le lama n'accepte pas d'interview. Je crois que je vais en faire mon deuil à un moment donné. Il veut pas répondre à tes questions. C'est comme ça. À travers une enquête qui reprend tous les codes des grands reportages d'investigation, le sérieux en moins, j'apprends médusé que le lama fâché, ce serait moi. Et ensuite, elle revient sur moi tout à la fin de la vidéo, en faisant un appel anonyme à quelqu'un qui se dit ami du lama. Donc, on a vraiment un appel anonyme, on sait pas qui c'est, sa voix est transformée, on sait pas qui c'est. C'est soi-disant un ami du lama, on sait pas d'où il vient parce que on protège ses sources, donc on a aucune info sur lui, qui dit par téléphone « Ouais, j'ai bossé avec Antoine, je sais pas quoi. » Et elle me dit « Antoine Blanche-Maison » et il dit « Je sais pas, je connais pas les noms. » Et elle lui envoie soi-disant une photo de moi. « Oui, bonjour, donc vous avez côtoyé un lama fâché ?»« Oui. » Et c'est qui, lama fâché ?»« Il y a Alexia qui faisait la voix en même temps, et il y a Antoine, et il y en a plein d'autres, ils travaillent à plusieurs. » Alexia, comment ? J'ai pas les noms de famille, j'ai les noms de famille de personnes. Et Antoine, c'est Antoine Blanche-Maison ? Lui, là ? On voit la photo. C'est lui ? Oui, c'est ça, oui. Je savais pas qu'il s'appelait Blanche-Maison. Mais c'est à lui que vous avez eu affaire ? Oui. Le cadrage émotionnel de Aude ici, c'est clairement, vous voyez ?
J'ai raison. Et la scène passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir par nous-mêmes, et donc on lui fait instinctivement confiance. Je dois avouer qu'en revoyant ce passage, j'ai été impressionné par la présence d'esprit de Aude. Elle jette ce petit regard à la caméra avec pile le bon timing en plein milieu de son appel avec un informateur secret. Soit c'est une mise en scène, soit Aude est vraiment ultra talentueuse en improvisation. Elle envoie la photo et le gars tout de suite dit « Ah oui, oui, c'est lui, c'est Antoine Blanchemaison, c'est avec lui que je travaille. » Et elle termine la vidéo là-dessus en mode « C'est bon, on l'a découvert, c'est lui, c'est évident, faites ce que vous avez à faire. » Et donc là, qu'est-ce que les gens ont ? Ils ont mon nom, mon prénom plus mon nom de famille qu'elle a balancé publiquement. Ils ont l'adresse de ma chaîne YouTube, bien sûr, que les gens vont pouvoir venir et envoyer des insultes en commentaire. Ils ont ma photo, ils ont des vidéos de moi. Et ils ont même l'adresse de ma société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle m'a affiché sur la place publique en disant « La personne que vous détestez, c'est lui. Il a un nom, un visage, il habite à tel endroit. Démerdez-vous, faites ce que vous voulez. » Salut, la ma fâchée. Salut, la ma fâchée. Mais lui dit que non, c'est pas lui, c'est sûr. Il a fait un gros démenti sur YouTube. Bah, ce que fait cette chaîne YouTube, c'est pas franchement ce que je recommande. Moi, je recommande de créer un business qui tourne pas autour de l'audience, mais autour de la valeur. Qui croire, puisque c'est parole contre parole. Pourquoi est-ce qu'elle aurait prendre le risque d'attaquer un random YouTuber en disant que c'est lui la ma fâchée si elle était pas sûre? Et ça, enfin franchement, parce que c'est voilà, moi j'ai pas un problème avec la ma fâchée en soi, dans l'absolu la ma fâchée, je veux dire, c'est moi j'ai un problème de comment dire, d'assainissement du web, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et la ma et donc au début j'avoue que j'avais un désintérêt total pour cette, je me disais mais c'est quoi ce hein, et puis en creusant je d'ailleurs, je suis pas sûre que le lama ait conscience de l'impact que ça a dans la tête des élèves. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo quelque part. C'est que je... Lama, c'est aussi juste des vidéos. Des fois, t'as des vidéos, mais... Enfin voilà, c'est du, certes c'est du bas de gamme et que c'est du les plus gros chiens du monde ou enfin des trucs comme ça. C'est, en fait ça fait pas, quelque part tu peux te dire ça fait pas de mal, mais en vrai ça en fait. Et ouais. C'était aussi ça que je voulais, c'est aussi. Et même si c'est juste quelques vidéos, on va dire, chaque vidéo, très souvent, elle dépasse les 1 million, les 1 million de vues, 1 million, 500 000, etc. Donc, pardon, c'est un problème. Voilà, quoi. Comme j'explique au début de la vidéo, c'était une enquête compliquée que j'ai faite avec beaucoup de gens qui n'ont pas... pas spécial, qui ont des infos mais qui n'ont pas spécialement envie d'être, de sortir du bois, on va dire. Qui ont des conséquences, enfin qui ont été partage en vrille, je sais pas comment on dit, la vidéo sur le Vatican sataniste là. Oui, mais c'est celle que tu montes, en montres quelques extraits. Il fallait voir les commentaires en dessous, quoi. Ouais. Alors elle y est plus, hein, mais c'était du style. C'est bien. Ça m'a pris un Alors du coup, il y a un élément dans la vidéo, mais qui n'était pas central dans ton travail, mais qui est devenu important au regard de ce que les gens t'en ont dit, c'est l'identité du lama fâché. Genre, c'est qui le lama fâché? My God. Ouais. Non mais. Et donc du coup, ça c'est vachement revenu. Oui, c'est vachement revenu. T'as pas le droit d'affirmer quelque chose et de te barrer derrière en screen. Si tu affirmes quelque chose, c'est à toi de le prouver, avec des vraies preuves en béton, pas juste des indices, des trucs fumeux. Voilà pour le qui dit prouve. Alors, il y a plusieurs pistes et tout, mais donc ça s'est focalisé surtout sur une piste qui est donc Antoine Blanchemaison, qui a par la suite réagi. J'ai regardé sa petite vidéo en disant qu'il était victime. Victime d'une fausse rumeur, etc. Je sais plus comment il intitule exactement ça. Bon, bref. Elle a bien vu la réponse d'Antoine Blanchemaison et ne commentera absolument pas ce sujet. Je voulais juste clarifier quelques points parce que j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui vont me poser cette question. J'en profite juste pour dire, je vois des gens qui parlent
mal d'Antoine Blanche-Maison ou qui, je sais pas quoi. Enfin, moi, je cautionne pas ça, en fait. Parce que, enfin, et d'ailleurs, je l'ai dit à l'assistant d'Antoine quand on a discuté par la suite après la sortie de la vidéo. Parce qu'il m'a dit, ah oui, et alors s'il y a des haters, etc. Je lui ai dit, mais écoute, s'il y a des haters, vous me faites signe. En fait, moi non. Et je demande aux gens, juste même si, même si Antoine Blanche-Maison était, je sais pas, le parrain de je sais pas quelle organisation, enfin, non. Non, ça ne se fait pas. Je rappelle une petite règle de savoir-vivre. Voilà, bon, bref. Et. Bref, maintenant que les bases du cyberharcèlement sont posées. À mort le lama, mais n'importe quoi. Elle se défendra notamment en expliquant qu'elle n'accusait pas directement Antoine Blanche-Maison, mais qu'elle avait de gros soupçons sur lui. Moi, dans mon taf, j'appelle ça la présomption de bullshit. C'est-à-dire que tant qu'on n'apporte pas la preuve de quelque chose, toute information est présumée bullshit. C'est qu'une fois qu'elle est prouvée, que ça vaut quelque chose. Voilà, bon, bref. Et donc, juste quelques points à clarifier, juste rapidement. Donc, un, je n'accuse personne. Dans cette vidéo, je n'accuse personne. Je ne dis jamais, c'est Antoine Blanche-Maison. Donc, je ne sais pas, enfin... Enfin, voilà, c'est une première chose qui me paraît hyper importante à dire. Il y a une phrase qui me paraît clé, qui est peut-être pas assez forte ou je sais pas quoi dans la vidéo, mais que j'ai vraiment tenu à mettre, ce qui est impossible d'être 100% sûr que c'est Antoine Blanche-Maison derrière tiens, le d'ailleurs, lama. D'ailleurs, on l'a cette vidéo, je te propose qu'on la mette, ça dure très peu de temps, mais oui, vas-y. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu peux pas dans la même vidéo dire ça. Ici et là, le lama prend soin quand même de glisser un petit « ah, ça n'a pas été vérifié, on n'est pas sûr 100%, etc. » Et ensuite ça. Impossible d'être 100% sûr que c'est Antoine Blanche-Maison derrière le lama. Je vois pas du tout le problème de dissonance cognitive. C'est une formulation assez malhonnête parce qu'il est impossible de savoir à 100% quoi que ce soit. Enfin, en attendant, la manipulation fait son petit effet. C'est impossible pour moi de savoir à 100% qu'Antoine BM n'est pas le lama fâché. Disons juste que je serais aussi surpris si Antoine BM était le lama fâché que s'il était un trafiquant d'armes international. C'est pas impossible, mais ça me semble improbable. Et donc voilà, donc effectivement... Donc en gros, hein, alors si on veut reprendre toute la démonstration que je fais, pardon mais je... Ouais, vas-y. Je dis, qui est le lama fâché? Parce que j'ai noté hein, tous mes petits trucs. Voilà, certains disent que c'est Antoine Blanche-Maison. Je raconte que Antoine Blanche-Maison a eu un blog qui s'appelait Lama Fâché, qui n'est pas non plus un nom qui sort comme ça du ciel. Voilà, c'est quand même pas trop anodin. Bon. Les petits indices, les trucs chelous, les comme par hasard, c'est trop facile à dire. Parce que Antoine Blanche-Maison a effectivement eu un site, lamafâché.com, qui est un blog marketing, enfin était un blog marketing qu'il a géré entre 2012 et 2014. La petite graine de la rumeur commence éventuellement à naître à ce moment-là. D'ailleurs, on apprendra que finalement, Lama Fâché n'est qu'une référence à Tintin, qui est quand même une grosse, grosse référence pop culture. Donc il n'est pas impossible que deux personnes aient eu envie de l'appeler un site Lama Fâché. Qui n'est pas non plus un nom qui sort comme ça du ciel, voilà. Chaque jour, pour votre hygiène mentale, exigez la preuve idéale, même pour les peaux sensibles. C'est quand même pas trop anodin, bon. Tant qu'il n'y a pas de preuve, pour moi, c'est... du vent. Ça fait du bien, hein. Bon, ça reste bullshit, quoi. Je voudrais t'expliquer comment fonctionne une rumeur, parce qu'on a vraiment un cas qui est fascinant. Une rumeur, c'est comme un feu. C'est-à-dire que ça commence toujours avec une petite étincelle, et le feu se propage petit à petit, et ça devient un énorme brasier. Et quand c'est un énorme brasier, bah ça devient extrêmement difficile de l'éteindre. Parce que si c'est aussi facile de lancer une rumeur et de monter un faux dossier, tout le monde est vulnérable. Et si même les journalistes coproduits par France Télé s'y mettent, ça commence à faire un peu peur. Depuis un an, je suis rémunérée pour mes What the Fake, parce qu'ils sont coproduits par France TV Slash, qui a gentiment repéré mon travail et a trouvé que c'était à peu près de service public. Antoine BM continue sa carrière sans être lié à Lama Fâché, ce blog n'existe plus, et il a démenti être le créateur de Lama Fâché plusieurs fois avant la vidéo d'Aude. Il y a des mecs qui sont super intelligents, vraiment des fins limiers du web. Ces mecs-là devraient devenir flics, franchement, vraiment les gars, respect, bravo. Qui sont allés sur archive.org, qui ont tapé lamafâché.com et qui ont vu que j'avais un blog qui s'appelait comme ça il y a quelques années, puis en plus je le dis souvent, donc ils m'ont peut-être simplement écouté.
Et donc ils se sont dit, bah, comme c'est lui qui a créé un blog qui s'appelait comme ça, c'est forcément lui qui a créé la chaîne YouTube, puisque les homonymes ça n'existe pas. Bel esprit de déduction vraiment. Et donc depuis, bah, ça fait depuis un ou deux ans que je me fais plus ou moins harceler par des mecs sur internet à cause de ça. Et ensuite, après la vidéo d'Aude. Il s'appelait Lama Fâché parce que bah, moi c'était une référence à Tintin, parce que dans une BD de Tintin, il y a un lama qui crache sur le capitaine Haddock, et il y a le Pérouvien qui dit quand Lama Fâché lui toujours faire ainsi, ça me faisait marrer. Du coup, il y a un YouTuber qui a simplement remarqué cette coïncidence, donc on utilisait le même nom à quelques années d'écart, et donc il a fait une vidéo en disant tiens, c'est probablement Antoine BM, Lama Fâché, parce que regardez, il y a une coïncidence, c'est le même nom, donc je vois que ça, parce qu'on veut savoir qui c'est, mais on n'a pas l'info. Donc on est prêt à prendre n'importe quoi, tu vois, on a faim, on est prêt à prendre n'importe quelle nourriture. Mais surtout, si on se fie pas aux preuves, mais on se fait totalement manipuler. J'ai fait cette vidéo-là, on m'a foutu la paix pendant à peu près un an. Et là, bah, y a une journaliste qui enquête dessus et qui reprend cette rumeur-là. Et en partant simplement de cette rumeur-là, qui est partie d'une simple étincelle, d'une simple coïncidence, réussit à créer tout un millefeuille, le fameux millefeuille qu'elle dénonçait en début de vidéo. Comment faire croire que le Vatican fait des sacrifices humains, qu'il y a des signes satanistes sur les billets de dollars, en utilisant la bonne vieille méthode complotiste du millefeuille argumentatif? Chaque preuve ou secret révélé par le lama, si tu te renseignes un tout petit peu, tu vas voir qu'il est bidon. Mais comme il t'en sert plein, comme il t'assomme, tu te retrouves face à une espèce de millefeuille d'arguments qui te fait penser que bon, tout ne peut pas être faux. Tout un millefeuille avec plein d'éléments, en cherchant et en accumulant des indices qui viennent nourrir le biais de confirmation des abonnés. On accepte plus facilement les informations qui confirment ce que l'on pense déjà. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a envie de savoir. C'est-à-dire qu'on sait pas qui c'est, ça alimente le mystère, on l'aime pas, on a envie de savoir qui c'est. On a tellement envie de savoir qui c'est qu'on est prêt à accepter à peu près n'importe quoi. Les plus gros soupçons se portent globalement sur Antoine Blanchemaison. C'est un peu un serial entrepreneur qui affirme vivre de ses contenus depuis 2015, ses contenus sur le web. Antoine, c'est un coach qui fait des formations du style 7 secrets pour plus de vues sur YouTube, vivre de YouTube, 14 montages agressifs pour doubler ses ventes cette semaine, gangster marketing, les secrets des plus grands manipulateurs. On dépeint le portrait d'un type qui est soi-disant un peu entrepreneur, qui fait des trucs bizarres sur internet, qui gagnerait de l'argent, on sait pas trop comment. Comme il y a déjà un cadrage négatif sur le lama et qu'elle le transfère directement sur Antoine, ça fait qu'à nos yeux il est déjà un peu coupable. C'est le syndrome du suspect qui est filmé en menottes par les caméras de télé. On ne sait pas quelles sont les preuves contre lui, mais quelque part dans notre tête on se dit que s'il est accusé, il doit bien avoir une bonne raison. Qui se vante de gagner de l'argent sur internet, qui vend des formations pour aider les gens à créer du contenu, c'est un indice, c'est pas une preuve. Les preuves que Aude nous présente ne tiennent pas vraiment bien la route, donc elle doit ancrer la situation de manière à ce qu'on soit biaisé contre Antoine dès le départ. L'entreprise d'Antoine Blanchemaison s'appelle BM Prod et elle se situe au 66 avenue des Champs-Élysées. On a qu'à y aller. Go, chasse au lama. Alors on enfile un costume périvien parce qu'on cherche un lama. Et on se rend sur les Champs-Élysées en mode investigation, caméra cachée et visage flouté. Aude, c'est une vraie journaliste, elle n'a pas peur de mettre les pieds sur le terrain. Et l'avantage, c'est que comme ça, même si son enquête ne révèle rien de convaincant, la mise en scène vous donne la sensation que quelque chose est en train de se passer. Le meilleur exemple de ça, c'est la scène où Aude se rend à l'adresse de la société d'Antoine BM sur les Champs-Élysées. Est-ce que vous connaissez une société qui s'appelle BM Production ? Voilà ce que Aude va apprendre dans ce passage. Numéro 1, la société BM Prod est officiellement domiciliée au 66 avenue des Champs-Élysées. Et numéro 2, les employés du rez-de-chaussée de cet immeuble ne connaissent pas l'entreprise de nom. Bref, la grande révélation du déplacement d'Aude sur les Champs-Élysées, c'est que Antoine BM n'a pas de bureau sur les champs, ce que Aude aurait pu apprendre en 2 minutes en consultant sa chaîne YouTube. Mais alors, pourquoi est-ce que sa société affiche cette adresse s'il n'y a pas de bureau? En vérité, la réponse est assez simple. Quand vous créez une société, vous devez donner une adresse de domiciliation. Si vous avez des bureaux, vous allez généralement donner l'adresse de vos bureaux. Mais si vous êtes un entrepreneur qui travaille parfois de chez vous, parfois depuis votre van sur la route de l'Espagne, vous n'avez pas de bureau et vous n'avez pas forcément envie non plus de donner l'adresse de votre domicile personnel à tout le monde sur Internet. La solution, c'est alors de payer une entreprise comme sedomicilier.fr que BFM qualifie de spécialiste de la domiciliation commerciale pour se domicilier dans leur bureau. Comme ça, ils réceptionnent votre courrier, ils vous le scannent et ils vous l'envoient par mail. Quasiment tous les entrepreneurs du web utilisent ce genre de service et c'est parfaitement légal. Son entreprise est domiciliée dans une boîte postale. Aucun rapport, mais bon, c'est un peu mystérieux, c'est un peu bizarre, donc on va l'ajouter comme une information, ça va faire un indice de plus. Alors, vous voulez dire qu'ici c'est une fausse adresse qui est totalement intraçable et la personne lui répond oui, c'est totalement intraçable. Donc évidemment, la personne lui répond, bah, c'est la personne qui distribue le courrier. Il en sait rien si c'est intraçable ou pas. C'est totalement faux. C'est pas une fausse adresse. Au contraire, c'est une adresse officielle. C'est totalement traçable. Dans le sens où si il y a un crime qui est commis par la société d'Antoine BM, ça prend une demi-minute à la justice
de connecter directement la personne Antoine BM à son adresse personnelle et il y a directement le GIGN qui explose sa porte. C'est totalement traçable. Et c'est faux de dire que c'est une fausse adresse. C'est incorrect et c'est une erreur factuelle qui est dans la vidéo. Alors, soit on peut dire que Aude ne savait pas qu'il s'agissait d'une adresse de domiciliation. Et dans ce cas-là, il faut réparer l'erreur. Soit elle le savait. Et dans ce cas-là, elle a dit volontairement face à la caméra que c'était une fausse adresse pour lui donner l'air coupable, alors que c'est totalement légal et il n'y a rien d'anormal à ça. Donc, à un moment donné, si on est en train de faire une enquête, on est en train de faire la recherche, on contacte l'entreprise de domiciliation pour voir s'il est bien domicilié ici. On essaie de faire quelque chose d'autre que de parler à la femme de ménage en bas. Donc, ça vient nourrir le biais de confirmation, parce que les gens se disent, ce type-là, il n'est pas clair. En plus, la main fâchée, j'ai absolument envie de savoir qui c'est. La seule piste que j'ai, c'est lui. Donc, j'ai envie que ce soit lui, parce que j'ai envie de résoudre ce mystère dans sa tête. Et ensuite, tous les éléments qu'on va donner, même si ces éléments sont absolument pas des preuves, et c'est le cas dans la vidéo, on va le voir tout de suite, tous les éléments qu'on donne, on va s'en nourrir pour finalement se dresser un tableau, ce fameux millefeuille dont Aude parle dans sa vidéo, qui est que, il y a tellement d'infos qui c'est forcément un petit peu vrai quelque part. Mais comme il t'en sert plein, comme il t'assomme... D'abord, il y a depuis plusieurs années des rumeurs qu'Antoine BM est le lama fâché. Certains disent que c'est une femme, certains disent que c'est une Belge, certains disent que c'est un homme, certains disent que c'est un lama, certains disent que c'est Antoine Blanche-Maison. Ensuite, on découvre qu'Antoine fait des formations sur comment gagner de l'argent sur YouTube. Antoine, c'est un coach qui fait des formations du style Gangster Marketing, les secrets des plus grands manipulateurs. Antoine a créé un blog il y a plusieurs années avec le nom Lama Fâché. Comme on l'a déjà vu, il n'a pas de bureau sur les Champs-Élysées. Elle n'y trouvera que des boîtes aux lettres qui sont des domiciliations d'entreprise. Trouvera sa louche, mais en effet, c'est assez classique. Quand il est contacté par email, son assistant Félix annonce qu'Antoine n'a rien à voir avec le lama. Antoine n'est pas intéressé par s'exprimer à propos de cette chaîne qui n'a rien à voir avec nous. Alors, quelle conclusion est-ce que Aude tire de ces 5 indices? Les plus gros soupçons se portent globalement sur Antoine Blanche-Maison. Impossible d'être 100% sûr que c'est Antoine Blanche-Maison derrière le lama. Si on liste les preuves, la numéro 2 s'applique à des centaines de personnes, dont moi. La 4e s'applique à presque tous les entrepreneurs solo sur le web, et la 5e s'applique aux 66 millions de Français qui n'ont rien à voir avec le lama. Restent donc les rumeurs qui sont de toute manière basées sur le point numéro 3, le fait qu'Antoine BM a eu, il y a des années, un blog avec le nom Lama Fâché. Il s'agit du seul indice qui pointe vers Antoine BM plutôt que sur n'importe quel entrepreneur qui fait de l'argent sur Internet. Est-ce possible que deux personnes différentes soient fans de Tintin, une des BD les plus populaires de tous les temps? Tu te retrouves face à une espèce de millefeuille d'arguments qui te fait penser que, tout ne peut pas être faux. Oui, quand on se fout des preuves, tout peut arriver, et ça, c'est génial. Ça, c'est très arrogant, mais c'est vrai. Mmh. Il le sait, lui, que c'est vrai. Mmh. Aïe, 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 aïe.